Consulețul și bagă la acolo la perete. Da, da. Aici, doamne, nu știu. Mais c'est pas à moi qu'il faut le dire ça. Nous on s'est fait chier à ouvrir, à nettoyer et tout. La ville des hôtels ne l'aime pas là. Oui, qui est arrivé. Elle est aussi morte. C'est moins difficile qu'on le dit. Ce sont la feretra. La feretra, c'est tout muré maintenant. Et la police, elle est passée ce matin au feretra. La police aussi. La feretra, c'est joli. Attends, moi j'y suis repassé à 1h du matin. C'était pas joli. Hein. C'était pas joli du tout. C'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Ce week-end, on a transporté une quarantaine de Roms depuis la rue des Feretra à la demande de la mairie pour les mener à un local qui a été ouvert quand nous y sommes arrivés le samedi matin, et qui est situé 6 avenue de la Ardenne et qui appartient à Habitat Toulouse. On a passé le week-end, les associations, des militants des associations ont aidé les familles à s'installer, et normalement, on pensait le lundi, ce qui s'est passé du reste, mais pas dans les conditions pensées, prendre contact avec Habitat Toulouse pour faire valoir qu'avec le soutien des associations, on obtiendrait une situation meilleure pour tous, y compris pour Habitat Toulouse et pour les Roms, bien entendu. Et de pouvoir perpétuer cette situation un certain temps, en attendant de trouver quelque chose de plus pérenne. Voilà. Et on espérait que ce soutien des associations amène une réponse positive de la part de Habitat Toulouse. Or, quand je suis venu ici avec d'autres militants vers 18h, on a constaté la présence de nombreux policiers. Et leur objectif, c'était de faire évacuer ces Roms, juste jusqu'à la rue. Et donc, actuellement, en plein milieu de la nuit, peut-être 1h, 2h du matin, on est là avec 39 Roms, dont 11 enfants qui vont de 9 mois à 17 ans. La plupart ont 2, 3, 4, 5, 10 ans. Il y a un aveugle qui est parmi nous. C'est une condition désastreuse auquel on demande à la mairie de Toulouse le plus rapidement possible d'apporter une réponse. Depuis que j'ai prévenu Claude et Sophie Marchand, il a reçu des messages, ne serait-ce que Jean-Claude. Depuis 5h30, il est au courant, ça c'est pas un problème. Non mais est-ce que Claude, elle a essayé de faire quelque chose? Elle m'a dit, je ne peux rien faire. La seule chose qu'elle m'a dit pendant 10 fois, je ne peux rien faire. Alors en gros, il faut qu'on fasse le point ce soir. Il y a des propositions d'hébergement, il y a des endroits où on peut aller. Des endroits où on peut aller tous, des endroits où on ne peut pas aller tous, des endroits où c'est propre, des endroits où c'est moins propre. Bon, on va proposer ça et c'est vous qui allez, enfin, eux qui vont décider ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste là, ça paraît difficile avec des tout petits, ou est-ce qu'on va ailleurs?
ce soir. Donc déjà, ce qu'il faudrait que tu leur dises, c'est que le but de la petite réunion, c'est qu'eux, ils décident ce qu'on va faire cette nuit. Tu peux l'enlever, ça. Tu sais que Pierre est en train d'essayer. Nu am de a face, trebuie să se citească între voi. Prindeți-vă, să vă citim o verte, mă, cu orice, că nu-l chemă. Eu sunt arăt lider, mă, și de aia știu. E complicat. Nu mergeșe, mă, frate.